dans le cadre de la conférence de presse que Abadé a bail. Et c'est un plaisir pour nous gagner, nous profiter de saluer toute la presse là en général. Et nous saluons Haïti et le monde. Et tant pour nous dire, nous réunis pour nous bailler conférence de presse ça et matin. Et APADE, qui c'est Action Pastorale pour le Développement Humain. C'est dans le cadre d'un gros concours de chant que l'organisation a lancé. Et information on a bailli à grand public là en général, mais particulièrement la population évangélique d'Haïti pour nous informer du concours de chant ça qui gagne plusieurs objectifs. Et un objectif, c'est vraiment découvrir des talents qui gagne dans la communauté. Et un autre objectif, c'est bailler talents ça y a des opportunités pour être capable de mettre en exergue ça y a café. Troisième objectif, c'est contribuer à bien-être et jeunesse là, parce que nous connaissons dans la dernière année ça y a Haïti connaît des moments difficiles, gagne pile jeunes qui désespérés, qui trouvaient dans la dépression. Donc il y a besoin d'un environnement, d'un espace pour être capable de mettre ça y a capable de faire en valeur. Donc nous capable constater que sous plusieurs réseaux n'a pas information comment des jeunes a touyer tête yo, y a suicider tête yo. Donc c'est des problèmes qui existaient dans la communauté. Nous pensons au besoin des espaces et tant qu'il y a un concours de chant qui permet que non seulement yo écrit ça yo penser et chanter ça yo penser. Quatrième objectif, c'est vraiment rehausser éclat et l'évangile. C'est parce que c'est pour la communauté évangélique là, c'est le secteur évangélique là qui a organisé le concours là. Et à travers message, à travers texte, et l'évangile a circulé, a propagé à travers pays et pourquoi pas à travers le monde. Et nous sommes capables de dire zone cible pour un concours de chansa, c'est Delma, Tabar, Port-au-Prince et Cité Soleil. Alors, ça va veut dire que si un jeune trouve l'autre côté dans le pays, on ne peut pas participer, mais il faut que nous clair que lieu, côté et prestation, il va faire audition, il va faire c'est dans l'environnement 4 communes ça yo que nous citer. Donc si un jeune dans l'autre commune t'a voulu participer, faut que l'état arrange que l'in environnement 4 communes ça yo pour faciliter et mouvement qui gain rapport avec concours là. Et public cible pour concours là, c'est des jeunes sortis 16 ans pour arriver 25 l'année, filles ou bien garçons. Et inscription yo déjà lancée et dans communauté a. Nous gagnons et sur les réseaux sociaux des affiches qui baillent et modalités d'inscription. Et nous sommes capables de partager quelques informations tant que prix inscription c'est 1250 goud ou bien 250 dollars haïtiens. Et premier gagnant, il a gagné 75 000 goud. Il a gagné aussi en musique enregistrée, audio et vidéo. Et a bien participation yon artiste senior qui nan milieu évangélique là qui déjà a chanté et l'a gagné tout pour bénéficier de yon tournée dans le nord du pays. Et deuxième gagnant, li a gagné 25 000 goud et troisième gagnant l'a gagné yon prime de consolation. Donc nous profiter de opportunité ça que la presse ba nous pour nous remercier tout le monde qui supportait l'initiative ça, toute institution qui supportait le concours ça, et nous l'ouvrir les bras nous attendre tout l'autre monde qui estimait que yo capable porter soutien à concours ça pour rendre que lycéon est réalité.